On parle des chiens aujourd'hui, mais j'ai aussi deux chats, c'est un peu l'arche de Noé ici. Cette petite bête, c'est Ozzy. Ozzy a 2 ans. C'est un spitz japonais. On l'appelle la fille de Satan parce qu'elle fait plein de conneries. Lui, c'est Posé. Posé, il a 14 ans. C'est un chien qui a été abandonné quand il avait 10 ans. Et dans ma tête, je me suis dit, ok, il y a personne qui va le vouloir. C'est le seul qui m'a aboyé dessus. Du coup, j'ai fait, bah, ok, il a du caractère, c'est lui que je veux. Alors, vous pouvez voir qu'il a un air un petit peu bizarre. On l'appelle Daredevil. Il est devenu aveugle depuis quelques années. Son nez lui sert de canne, donc il avance comme ça. Et s'il sent un truc, hop, il l'évite. Et parfois, il évite des trucs, mais genre, last minute. Une fois, j'étais à la rivière, et j'étais avec Posé. Il s'est jeté et il s'est fait embarquer. Genre, il a rien compris, mais heureusement, j'avais la laisse et je l'ai rattrapé. Donc ça, c'était une petite aventure en soi. Alors, je pense au chien de Heart of Darkness. On vit une aventure pour essayer de sauver son chien. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le, il est excellent. Avant de prendre un animal, d'être sûr de sa capacité à s'en occuper et surtout de se rendre compte que ben ça va changer absolument tout notre quotidien. Je pourrais que conseiller d'aller vers les SPA et tous les refuges qui permettent de récupérer les animaux. Essayez de regarder justement ceux qui ont peut-être moins de chances de se faire adopter. Et si vous ne pouvez pas adopter un animal, vous avez toujours aussi la possibilité soit de faire des dons aux associations, soit même de devenir bénévole.